Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur God of War Ragnarok avec, évidemment, l'épisode 22. Installez-vous confortablement, 4K 60fps et préparez-vous! Ça va être insane évidemment, on va se retrouver une bonne demi-heure ensemble! J'espère que vous kiffez toujours autant cette aventure, merci infiniment à ceux qui posent le petit like et le petit commentaire! Alors, on a de belles choses à faire par ici. La furie des chicteuses, on peut l'améliorer. Eh ben tiens, ça coûte de l'argent, autant le faire en vrai, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Dis-moi, Brock, tu comptes me présenter le bidon de lait qui te sert de garde du corps? C'est amélioré. Un peu que j'y compte. Superbe. Lui, c'est Kratos. Mais tu peux l'appeler comme ça te chante. Kratos, Flunda, une vieille connaissance. Alors C'est mieux que rien, j'imagine. Fabricable, ok. Pour l'instant, rien ne m'intéresse. Fabricable, rachetable. J'ai quasi rien, en fait, en vrai. Hein. C'est pas fou, hein, niveau stuff. Hein. J'ai pu améliorer ma pony, mais ça s'arrête là, malheureusement. Hein. Ressources insuffisantes à chaque fois. Mais c'est du niveau 4, donc c'est pas si dégueulasse que ça. Très bien. Artefact, il faut que je vende. Il faut que je vende, c'est un problème, évidemment. Tac, 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 tac. Alors attendez, arme, c'est fait. Il est temps que je m'occupe. Métal travaillé, ça peut être pas mal ça les potes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça va les calmer un peu. Ok. Ok. Ça c'est fait. Protection. Fabricable des niveaux 4. Oh la vache. Ma force descend de ouf. Ma force descend de ouf. Je trouve pas ça dingue. Ok. Ah d'accord. Quantité d'accès de rage. Ok. Mais là j'ai niveau 5. J'ai niveau 5 et niveau 5 c'est trop cool. Ça m'embête un peu. On va garder. On va voir ce qu'on peut faire. Ça on se fait au calme. Ok. C'est pas mal ça. Je peux me le loot en échange d'argent. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je rembourse. Bon, on commence cet épisode dans, voilà, dans le calme. Achat au ventre. Toi-même, tu sais, Stéphane Plaza, on est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, c'est là que tu voulais t'entraîner. Désolé, étranger. On est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein? Son nom est Kratos, et non. Les As sont à Vanheim? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan? J'y travaille toujours. Mmh. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Hé, hey Kratos, si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon, c'est pas son point fort. L'heure des comptes. Un peu trop tard. Très bien, voyons ce que nous avons là. Là, on a notre quête. Parle-moi de ton armée. Quoi, vous cinq? Contre toute l'armée d'Odin. Ok. Je check un petit peu partout, on sait jamais. Il y a peut-être des petites dingues. Combien ils sont? Oh, oui, il y a des petites dingues.
Bien sûr qu'il y a des petites dingues, c'est évident. Ah là là. Et crotte. Je sais pas ce que je peux faire, mais je peux y mettre une giga patate, on dirait. Ah bah ouais, c'est verrouillé. Faudra pas que j'oublie ici. Qu'est-ce que c'est ça? Je peux rien faire, c'est terrible. C'est terrible. Bah écoutez, on va continuer direct la quête principale. À quoi ça sert si je ne peux rien faire? Ah! Oh! Rang bronze terminé, XP de Kratos. La complainte, très bien. Bon bah écoutez, let's go. Suite de notre aventure. J'ai pas tout bien saisi pour l'instant, on peut pas faire grand chose. Ok. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve. Et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi. Mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée? Tu as à peine entrevu Freyr, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Ok. Faut pas le prendre comme ça, hein. Allez, ça c'est fait. Je sais pas ce que c'est, mais c'est cool, on prend. Acier nain, yes, j'en ai besoin en plus. On a toujours besoin d'un peu d'acier nain. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde prend tout mal ici. Tout le monde a l'air très tendu, bien sûr. Ok, ça c'est fait. Ça. On essaye des choses, hein. Ah, j'aurais peut-être dû prendre l'autre chemin. Ça a l'air d'être la suite de notre aventure. À voir. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh. Un ancien. Il a pas l'air mauvais, non? J'aurais pas dû. Je le tuerai jamais. Ok, j'ai compris. Ok, on va mettre des vraies patates dans mon cerf. Et là, je peux pas être IA, parce qu'il y a personne. Ok, j'ai compris comment le détruire. On n'est pas obligé, c'est un peu une sorte de world boss qui traîne ci et là. Mais j'ai bien envie de lui casser la gueule pour voir ce qu'il va me rapporter. You know what I mean? Donc, on va lui casser la gueule. Il a lâché et lance-le. Ok, let's go! Allez, bam! Très patate! Voilà, des pieds comme ça dans ta mère! Tu me diras ce que t'en penses! Ok. Très bien! Non, 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 non! Oh.
que je... Ok. Let's go. L'ancien is dead. Et toi? Je m'étonne encore d'avoir eu tant de mal à... Du cuir, rune. On a eu du lourd. Cette petite flamme générée lors des combats, elle permet d'améliorer les lames du chaos. Let's go. Let's go. On va je pouvoir sais améliorer ce que les tu lames. Es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. Merci. Ok. Oh, c'est beau ça. Oh, je l'ai vu. Je l'ai vu, tout le monde l'a vu. Et si tout le monde l'a vu, c'est que je l'ai vu. Let's go. Alors attendez. On va checker un peu à gauche, à droite. Ok. Tyrolienne ne marche pas dans ce sens. Alors, comment on peut faire? On va tenter. Il nous le faut, ce coffre. Mes lames du chaos vont être exceptionnelles, les amis. Hein. Je préfère vous le dire. Elles vont passer un tout nouveau niveau, un nouveau cap. Ok. Alors là, je vois pas du tout. Ok, ça a pas l'air d'être ici. Let's go. Aller chercher le mal. C'est dommage. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est... J'ai toujours pas compris. Oh putain, j'aurais pu prendre ça. Oh putain, j'aurais pu prendre ça. Dommage. Ça, je vais le garder. On peut aller là. Et c'est tout. Ok. Eh ben allons-y. Allons-y. Ok. Tout le monde a toujours un conseil à me donner. Alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvé. Alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille. Mon problème. Baldur n'était certes pas parfait. Mais il était à moi. Je sais. Tu sais. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui, je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Calliope? Ah. Que s'est-il passé? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû demander. Ok. Oh non. C'est pas vrai. Tout le monde veut ma mort ici. Oh, c'est beau. Hein. C'est beau, je vous le dis, c'est beau, hein, plus cher. Hein. What? Des Eneria. Complètement timbré.
rien ne sert de les frapper tant qu'ils lèvent leur bouclier. Ah ouais ? On vient par ça ? C'est bien ce que je pensais. Putain de merde ! Non, 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 non. Voilà, on va en finir. Ok. Descends. Descends. Ok. Quoi ? Désolé là, je suis en pleine concentration. Allez, bah voilà. Plus de mal que de peur. Bon, il aurait pu donner un truc cool quand même. Bon, il a donné pas mal d'XP en vrai, on prend. Il aurait pu donner un truc un peu plus cool. Ok, c'est fait. Suivant. Nous devons atteindre cette tour de guet. Il nous faudra y aller sans problème. Par ici. Je connais l'histoire de ton fils. Je dois te raconter celle de ma fille. Au service d'un dieu cruel, j'ai détruit malgré moi un village. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. C'est... Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois, et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais la culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya, mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Toutes ces fois où je t'ai trouvé, pourquoi as-tu refusé de m'affronter ? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là ? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. Ok. Donc là, on a eu un très beau récap sur... sur God of War 1er du nom, vous l'aurez compris. Ok. Une Noken ! Si près du village ! Rend ses alliés invulnérables. Ils ne te laisseront pas passer tant qu'on ne sera pas tous vaincus. Ok. Ça, ils ont éclaté la gueule, bordel. Il est où le merdier là ? Elle est morte ? Je l'avais détruit grâce à mon talon ? Ok. Bah tant mieux ! On va pas se plaindre ! Je pensais juste pas être aussi balèze que ça ! Mon village. Un beau village, hein ? Je le reconnais à peine. Leur et moi, nous vivons à tous proches dans les champs. Nous passions des années à voler dans la grandeur. Lors des récoltes, nous dansions et chantions jusqu'au petit jour. Pourquoi fallait-il que je revienne ici et me remémore tout ceci ? Le village abandonné. La grande. Évidemment. Elle est en ruine. Ok. Et j'ai pas Mimir sur moi, c'est ça ? Qui peut le lire alors ? Puisse Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puis
puisse-t-elle toujours nous protéger. C'est un vieux dicton. Tu peux peut-être passer par ici. Attends, Bibiche. Je voulais voir s'il n'y avait pas autre chose à explorer. Hop. On peut pas vraiment passer par ici en plus. Hein. On peut pas vraiment passer par ici. Un truc de l'autre côté. Et là, qu'est-ce qu'on a? Des soldats morts. Et là, qu'est-ce qu'on a? Rien. Attends, je fiche pas là. Suis-je fou? Là, on a un mât. Ok. Alors? Superbe. Très bien. Bon écoutez, on est passé, c'est le principal. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'infos secondes là. On se dit, est-ce que il y aura forcément une limite un jour au jeu vidéo? Parce que là, c'est, tu vois la qualité du soft, c'est juste fou en fait. C'est juste fou. Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire d'autre, tu vois? Appuie votre regard. Ce sort là, mais il est trop fort lui. Lui, c'est sûr, il a emmené son grand-père à l'école des sorciers, frérot. La vache. Ok. Ok, effectivement, ça a l'air pas mal. Très bien.
Non mais là, c'est tout le monde qui fait chier. Ok. Ok. Let's go. Je l'ai déjà affronté. Vraiment? Comme c'est étrange. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Plus ça va, plus les mecs qui tombent en enfer. Ouais, bah c'est incroyable. Hein. Allez, go. On prend. Bien sûr. Chaudron, poussière. Oh là là, on se gave, on se gave. Dégage-toi. Ok. Obtenez-en 6 pour rendre sa forme initiale. Vestige fugace, étincelle du chaos. Je crois vraiment, si je ne m'abuse, regardez-moi ça. Ouais, il va falloir que j'améliore. Ok. Oh, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Ok. Allez, on va mettre ça pour le coup, pour une fois. Très bien. Superbe. Let's go. Bon, on s'en sort plutôt pas trop mal, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Biba biba boum. Régale-moi. Très bien, ça. Oh, un rond de bouclier. Ah oui, d'accord, il est d'office mieux, en fait. Par contre, d'attaque signalée en double cercle 2 fois. Ah, par contre, je peux plus faire les parades magiques quand il y a le cercle bleu. Ok. Mais Kratos a une chance d'obtenir de la défense en coup de bouclier suivant 2 fois un regain de santé. On va prendre le regain de santé. Allez, c'est pas mal. En plus, c'est plutôt quand même assez stylé. N'ayons pas peur de le dire, ce fucking soul. Attends, quoi? Pourquoi? Pourquoi il ne perd pas de vie? Qu'est-ce que c'est que c'est? Okay. Pourquoi il perd pas de vie? Parce qu'il y a le... Non, quoi? Quoi, frérot? Tu commences à faire chier tout le monde. Ouais, tu fais chier tout le monde, personne t'aime ici. Ok. Et toi? Allez, tu dégages. Salope. Dommage. Allez, ça dégage. Eh ben, je viens de là, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. Ok. Alors là, ça me dit toujours pas par où passer. C'est fou. C'est fou de fou. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Les gars, on n'a pas avancé là. Tu rends compte? On n'a pas avancé. Et elle m'a dit tout à l'heure, tu peux sûrement passer par là. What the fuck? Les gars, vous y croyez ça? Je suis Keblo. Bon, ceux qui l'ont déjà fait, ça doit vous rendre sûrement fou. Mais Oh putain. Oh là! Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Bon allez, j'arrive te baiser. Excusez-moi du terme. J'arrive te casser la gueule. Voilà.
ça. Hop ça. Quoi là-bas? Mais non, parce qu'il y a du décor. Bien joué ça. Balèze ou oh, vous êtes des. Vous êtes des spartiates ou pas là? C'est quoi ce délire? Bon, attends, j'arrive à casser la gomme. Les gars, vous m'avez dit de me préparer au combat, je m'attendais point à ça. Ok. Ok. Allez, tiens. Voilà, tu me diras ce que tu en penses, Bibi, chez cadeau. Qu'est-ce qu'on a là? Là, on prend. Yo les gars. Je suis tout seul dans cette pierre. Ce n'est pas pour moi. Là. Vache. Je vais mourir. Quelle triste vie, quel triste sort. Incroyable. Incroyable. Bien joué à toi. Cette petite flèche raide. Oh la vache. Tendu du slibard, hein. Comme si je vous le dis, hein. Fait n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogée. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes, on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au lot. C'est ainsi que grandit un Spartiate. Bon les amis, il est temps de s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On se retrouve évidemment très bientôt pour la suite de notre folle aventure. Bisous tout le monde! Bye bye!